ce soir, ouais, sur Énergie, Coé reçoit. Qui donc? Grégoire. Il est notre invité. Il s'appelle Grégoire. Il est là. Grégoire, c'est ça. Retrouve-moi rue des étoiles. C'est ma préférée, celle-là. C'est la préférée de Pietre. Ouais. Je suis pas super client à la base, mais celle-là j'aime vraiment. Il aime. Classique. La chanson. Classique. Ah, celle-là. Ah bah celle-là, c'est celle où l'entend, les gens diront allez, le toi et moi, allez. Non mais celle-là, tu vas faire les classements dans 10 ans, dans 20 ans, tu reviendras pour salut. Elle va pas te quitter celle-là, tu vas l'avoir toute ta vie. Bah, elle est belle, super chanson aussi. Non, non, mais. Tout du mal. Hein. Ah, moi j'adore. Il va être dans une tournée, Grégoire, je vous explique même pas, le 13 avril au Transborder à Lyon, je vais pas vous donner toutes les dates, tellement il y en a, en avril il va être à Porcieux, bon moi ça c'est histoire de découvrir la France. C'est à côté de Lyon, en fait c'est, on fait des groupements de villes, là il y a Lyon, Saint-Etienne, Porcieux et... Le théâtre du Le Rhône après, ensuite tu vas être à Annecy, à la foire de Chambon. Ouais. Là, ensuite tu vas être à Nantes, à Angers, au Mans, à Agen le 27 avril, le 28 avril, à la salle Anatole France de Bergerac, demandez Michel qui est à l'ouverture, elle est super sympa, j'ai des trucs très pointus. Hein. Au 1er mai, oui, puisqu'il travaillera le 1er mai, il sera à la gare du Midi de Biarritz, ensuite au Zinga Zinga de Béziers. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que le Zinga Zinga? Ce sont des salles de concert en fait qui existent en province, en dehors de Paris. Voilà, c'est des salles qui ressemblent à peu près à ce qu'on pourrait. C'est l'équivalent du Bataclan à peu près. D'accord. Ah, oui. Quand même pas mal. Ensuite au Kursaal de Dunkerque, très belle salle le Kursaal de Dunkerque. Tu connais le Kursaal de Dunkerque? Je suis en train de me renseigner en ce moment et je découvre les salles de France et pour ne rien vous cacher, le Kursaal de Dunkerque est une très belle salle. Ouais. Au Doc du Havre ensuite, à la salle Erasme de Strasbourg. Voilà. Oui. Et le 14 octobre, ça nous laisse le temps, mais vous pouvez quand même vous dépêcher. Pas. Au Zénith de Paris. Voilà, ils sont de retour au Zénith. C'est bon ça, non? T'es content? Avec une tournée des Zéniths hein, dans toute la France. Après, je fais le Zénith. Ah, c'est fini le Zinga Zinga. Hein. Après, c'est les Zéniths. Si, si, mais je fais les deux, justement. C'est bien. Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer entre toutes ces dates? Comment t'arrives à te détendre? C'est quoi C'est dormir. Ouais, j'essaie de dormir. T'as pas un truc qui te détend, faire du sport ou un truc? Un petit ouinge peut-être? Non, mais c'est vrai, hein. Non, qu'est-ce qui te permet de décompresser quand tu fais des tournées comme ça? Non, surtout... Donc le ouinge, c'est oui. Non mais nous en même temps on est en famille, c'est le kiff, tu vois. Bien sûr. Mais non, surtout de dormir en fait. Ouais, ouais, j'évite de sortir. C'est pas très drôle, mais sinon non, c'est ce qui me tient plus en forme. Bah, t'as parce raison. Que c'est épuisant. Mais si on sort tous les soirs, après c'est n'importe quoi. Ah bon, ouais. Après ça, après j'ai regardé Loana. Moi je dis que quand on est artiste, il faut toujours avoir une photo de Loana au-dessus de son lit. C'est-à-dire que tu gonfles quand tu sors. Là, t'es là, tu dis tiens, je vais sortir en boîte. Puis tu vois la photo de Loana, elle fait non. Non, je reste à la maison. Il y a plein de gens dans le public qui sont venus pour toi, il y a plein de filles. Il y a notamment, je voudrais quand même parce que il y a notamment deux hein, que j'ai remarqué plus que les autres. Celle qui est venue avec son t-shirt pour régler les couleurs de la mire, là, demoiselle. Levez-vous, levez-vous. Oh, oui. Regardez-moi ça, ce truc multicolore. Ah, les yeux. Et ça, on dirait des petits carrés. C'est comme interdit en télé, ça. Oui, comment c'est fait pour moi. Ça va bien. C'est quoi votre prénom? Sophie. Ça se passe bien dans le public, Sophie? Ouais, ça va. On vous voit bien, hein. Oui, bah j'ai fait exprès. Hein. Bon, bah, on va pas vous rater même. Faire remarquer. Vous êtes contente de voir Grégoire? Ouais, ouais, j'avais été déjà le voir à l'Alhambra. C'est vrai, de bébé. Alors, je fais partie des productrices du deuxième album. Oh yes. Eh, ah, faut que Grégoire en vende plus que pour que vous rachetiez un truc en haut alors, un nouveau suite. Je fais un max de pubs sur mes blogs, je sais pas ce que c'est. Chez Soft Event, je mets les vidéos des émissions de télé. Si, régulièrement. Tout à fait. T'avais mis combien de sous, toi, c'est par exemple? C'est grâce à toi que je me vois à la télé. Voilà. T'as mis combien de T'avais mis combien de sous? J'ai mis 100 euros. Ah ouais, c'est cool. Mais c'est bien, c'est très cool. Bravo, mademoiselle. Merci. Passez le micro. Alors, il y en a une qui est venue là-bas, dans le fond, avec. Elle est toute. On dirait, quand on la voit ici, dans le public, on dirait une prof d'histoire géo. Et puis quand elle se lève, elle a une mini jupe à la fouf, couleur orange. Mettez-vous sur le côté, on ne vous voit pas. Regardez-moi ça. Regardez. Ah, c'est marrant ça, c'est... Bonjour, quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Non, c'est pas une stripteaseuse non plus. Quel est votre prénom? C'est mon ami qui m'a fait une surprise, alors voilà, je ne savais pas que je venais vous voir. C'est vrai. Voir Grégoire. Est-ce que vous voudriez lui faire un bisou? Avec plaisir. Bah, allez, regardez, allez, faites-lui un bisou. Ouais. Ouais. Grégoire est notre invité, il y a plein de gens qui ont des questions. Hey, t'as pas mis la mini-jupe pour rien? C'est bon ça. Chouchou. Grégoire chantera en live dans un instant. Delphine voulait lui poser une petite question. Comment ça va, Delphine? Ça va bien, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Grégoire, Delphine. Bonsoir Coé, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine. Quelle voix suave.
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine. Oui, je voudrais poser une question. Delphine. Je voudrais dire bonsoir, voilà, Delphine. Bonsoir. Bonsoir Delphine. Bonsoir, bonsoir. Ça va Delphine? Ça va bien, merci. Est-ce que Nora t'a dit bonsoir? Dis bonsoir à Delphine. Bonsoir Delphine. Bonsoir Enora. Hey, bonsoir Delphine. 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 Oui. T'as une question à poser? Éventuellement, oui. Eh bien, bonsoir Delphine. Eh bien, bonsoir Delphine. Delphine, Delphine, ne bouge surtout pas. Dans un instant, tu poseras ta question. Il y a Caroline qui veut dire bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir, bon. Bonsoir Caroline. Caroline, est-ce que tu as dit bonsoir à Delphine? Bonsoir Delphine. Bonsoir, bonsoir Caroline. Voilà. Bonsoir Caroline. Bonsoir Delphine. Bon. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir Delphine. Allô Delphine. Oui. Delphine, bonsoir Delphine, comment ça va? Je vais faire la celle que je connais. Ça va bien. Bonsoir Delphine. Bonsoir Delphine. Bonsoir ta Caroline. Non, pas celui-là. C'est le restaurant qui est que juste à côté. Est-ce que je pourrais dire bonjour à Delphine? Bonsoir Delphine. Ah bonsoir. Allô Caroline. Oui. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Monsieur Collet à la barrière. Ah, bonsoir Monsieur Collet. Bonsoir, je veux dire bonsoir Delphine. Ah, oh, bonsoir. Bonsoir Delphine. Et bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, on a passé 3 minutes pour rien. Ce soir, sur Énergie, Chloé reçoit. Et on a tous le même soleil. Et la même lune sur nos sommets. Grégoire. Il est notre invité. Le même soleil est déjà double disque de platine avec plus de 300 000 albums vendus. C'est incroyable, c'est ça, cool, non hein. Ouais. Je suis très content pour toi, camarade. Merci, bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. Elle est là depuis tout à l'heure. Bonsoir Delphine. Bonsoir Coé. Bonsoir Delphine. Ça a réagi sur Facebook. Tout le monde me dit bonsoir. Ah, bonsoir Caroline. Ah, Caroline, bonsoir. Caroline. Alors on commence par qui? Delphine, Caroline, Delphine. Question pour Grégoire. Voilà, oui Grégoire, ben voilà, je voulais bonsoir. Savoir simplement. Bonsoir, que... bonsoir Grégoire. Soyez poli, on dit bonsoir quand même, c'est la moindre chose. Donc elle arrive direct, bonsoir. J'en peux plus, j'ai deux doigts de la crise d'épilepsie. C'est fou ça. C'est dingue ça. Les gens qui disent plus bonsoir, mal élevé alors. Oh, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu voudrais que le public te dise bonsoir Delphine? Oh ben pourquoi pas, bonsoir le public. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est fait. Bonsoir Delphine. Peut-être avoir la question. Ah ben je sais plus ce que c'était. Il y a un projet de question, non, je sais pas. Allez, dis ta question. Bah, éventuellement, oui. Je voulais savoir simplement ce que Grégoire avait ressenti quand les enfoirés ont choisi sa chance d'interpréter sa chanson, ta main en l'occurrence, et ce qu'il a ressenti quand il a pu la chanter avec eux durant la série de concerts qu'ils ont fait lors de ce spectacle-là. Tant que Patrick Timsit l'a pas chanté, ça va. Ça c'est dit, non mais il fallait le dire, tu vois. Mais non, très honnêtement, je pense que c'était le moment depuis des moments que j'ai pu vivre sur scène, que toute scène confondue. Ah ouais, vraiment. Oui, effectivement, de chanter cette chanson qui est Ta main, qui est une chanson que j'ai écrite dans certaines circonstances, en plus avec aux côtés de Jean-Jacques Goldman le dernier soir, c'était plutôt très classe et en même temps surtout très très émouvant. C'était vraiment. En plus, on l'a chanté pour Coluche, c'est quelque chose de particulier. Ouais. Donc voilà. Ouais. Tu y étais, Delphine? Non, j'y étais pas, mais c'est vrai que moi je suis ce qu'on appelle une maman, c'est-à-dire que j'ai malheureusement perdu un enfant et c'est une chanson qui nous touche beaucoup aussi, quoi. Bah, c'est... bah oui, forcément, petite mère. Non, mais c'est très elle gentil. Elle a une sacrée signification et voilà. Bah, je comprends, ma belle. C'est très gentil, c'est vrai que c'était très émouvant. Delphine? Oui. Bonsoir, Chloé. Bonsoir, Delphine. Bonsoir. J'avais un doute, j'étais pas sûr de t'avoir dit bonsoir. Maintenant, c'est bon. Bon, t'as ce qu'il faut, t'as déjà l'album de Grégoire, t'as tout ça, pas besoin de cadeaux? Ah ben, je suis jamais contre, écoute. Oh, on va se débrouiller, on va te prendre les coordonnées, on va t'envoyer ça à la maison, je te fais des bisous Delphine. Moi aussi, bisous à tout le monde. Ma belle. Mais, oui, pareil, j'ai pas compris la fin, mais ça a l'air super, je t'embrasse Delphine. Bonsoir Caroline, après on aura une petite question et après le live de Grégoire. Caroline. Oui, bonsoir Chloé, bonsoir Grégoire. Caroline. Caroline était une amie, une superbe fille, je rapporte ça à elle, à nous, à son cornet, vanille, à sa peau limie de fraises, de framboises, de myrtilles, à son délire futile, à son style pacotille, elle est la de trèfle, de Joey Star. Alors Claude, Caroline. Claude MC. Claude MC pour le microphone, genre l'ortori ragabuffin. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle est de ma douce, elle est de ma vitamine, ma pote, ma twig, mon crack, mon amphétamine. Caroline. Bon Caroline, ta question, merde. Parce que t'es bavard pour rien dire, Caroline, c'est chiant. Comme ça là. Bonsoir Caroline. Bonsoir Grégoire.
Bon, alors ma question c'était, hormis Jean-Jacques Goldman, avec quel autre artiste aimerais-tu faire un autre duo? Willy Denzey, je suis sûr. je suis sûr que t'en rêves depuis des années. C'est un peu tard. Patrick Timsit. Willy Denzey, le mec est décédé. Oh là là. Non. Oui. Non. C'est quoi cette question? Il est pas mort. Ah bon. Tragédie. Non, pas tragédie non plus. Pardon. C'était bon tragédie, hein. C'était marrant. Paul McCartney. Ah oui, tu tapes, autant y aller. Non, quoi. Sinon après, je vais faire des duos avec d'autres artistes français bientôt. Ah bah dis-nous, allez vas-y. Ça commence par W, ça finit par Illy Denzey. Non, tu veux pas nous donner un petit indice? Fais-nous rêver. Non, c'est quelqu'un de l'ancienne génération qui a fait un best-of avec des duos. Et ah, Elton John. Marc Lavoine. Non, c'est Adamo. Un peu plus ancienne Garou. Génération. Adamo, c'est pas Adamo? Non, Guy Béard, c'est un ancien de chez anciens. C'est pas Bézu, parce qu'il est mort. Béco. Lama, Serge Lama. Un petit peu plus jeune. Aznavour. Plus jeune. Plus jeune. Sardou, ouais. Non, c'est Sardou. Non, quelqu'un dont on connaît beaucoup de chansons, mais qui vient pas comme ça au premier esprit. William Scheller. Oh, j'adore ce mec. Non. J'adore ce René Lataupe. Johnny. Un truc plus mainstream, moderne, plus variété. On va trouver, si vous avez une idée par SMS, si c'est l'énigme du soir. S'il vous plaît, continuez, ça me plaît. Je te fais des bisous, Caroline. Bah, gros bisous à vous. Je t'embrasse fort. À bientôt. Et puis bonsoir, Caroline. Merci, surtout. Caroline. Bonsoir, et si tu prenais le micro et que tu faisais le titre, pendant qu'il s'installe, je rappelle, il y a plein de dates de la tournée. Il va passer partout. Toulouse, Biarritz, Avignon, en avril, en mai, à Clermont-Ferrand, à Tours, à Dunkerque, au Havre. Et ne ratez pas le 14 octobre au Zénith de Paris. Il est là, il s'installe, il est en live ce soir. Et tout le monde applaudit Grégoire. Grégoire est notre invité ce soir. Il est là sur Énergie. Soleil. Et pendant que Grégoire est là, ça se déchaîne sur SMS au 612 en mettant Coé devant et en laissant vos coordonnées. Je rappelle, dépêchez-vous, dites-nous quel cadeau pourri. Ah Jeff, arrête de me faire applaudir. Quel cadeau pourri vous avez déjà eu pour la Saint-Valentin? Dépêchez-vous et vous repartez peut-être avec votre lecteur de DVD Blu-ray les places pour Rusher. On les fera tomber dans quelques minutes. Le public va aller voir Rusher, en tout cas les meilleurs vont y aller. Et il y a plein de gens qui nous proposent. Alors, ils nous disent, donne des idées pour toi. Ils nous disent, tu parles de Renault pour l'album de. Non. Marc Lavoine. C'est une bonne idée ça, pardon, j'ai pas pensé. Non, pas mal. Cabrel. Non. Oh non, c'est dur. Cabrel. Non, c'est quelqu'un qui va sortir un best-of. Michael Jones. Non. Alain Souchon. Dépêche. Non. Dépêche Mode. Il a déjà fait ça. Michel Polnareff. Ça, je dis tout ce qui arrive. Patrick Bruel. Non. Il est pas assez vieux, non. Il allait dire quelque chose, c'est quelqu'un qui va sortir un best-of. Ah, il y a un SMS best-of avec que des duos de la jeune génération, etc. Comme a fait Michel Delpech et a fait. Quelqu'un d'autre a fait ça aussi. Lama a fait ça. Peut-être. Il y a un SMS de quelqu'un qui vient d'arriver qui nous dit bonsoir Delphine. qu'est-ce qu'on a? Il y en a un qui nous dit peut-être avec Michael Jackson. Trop tard. On a du Christophe Willem. Non, ancienne génération. Non. Laurent Voulzy, Gérard Darmon revient beaucoup. Non. C'est quelqu'un qui a au moins une bonne dizaine de chansons pour faire un best-of. Claude François. Ah, Jean-Louis Aubert, Garou, Bertignac, Michel Fugain. Mais non, cherchez plus. Dutronc. Plus vieux. Dans les Delpech. Comment il s'appelle? Non. Jonas. Quel imitateur. Lavillier, je voulais dire. Non, Bernard Lavillier. On va trouver. Il y a plein de SMS. Vraiment, Michel Delpech, c'est vraiment la catégorie musicalement tout ça. Louis Chédid. On va trouver. Non, mais Chédid, c'est plus. Marjorie nous envoie un mail. Elle dit Grégoire, tes chansons redonnent espoir jour après jour. Il y a des chansons que j'écoute dans mes moments de joie, d'autres dans mes moments de peine. Tu es une personne formidable, ne change pas. Tes chansons disent tellement des leçons. Dit blablabla, je me laisse pas de les écouter en boucle encore et toujours. Je pourrais encore écrire beaucoup sur toi, mais je pense que le principal est dit. Marjorie, 79. Et c'est le département, pas l'âge. C'est mon année de naissance. Bah, merci beaucoup, Marjorie. C'est les Deux-Sèvres, non? Oui, c'est ça. Reste avec nous, dans un instant, il y aura une petite surprise. Ce soir, sur Énergie, Coé reçoit. Et on a tous le même soleil. Et la même lune sur nos sommets. Grégoire. Grégoire est avec nous, il nous a donc balancé qu'il allait faire peut-être bientôt une participation avec un chanteur qui a fait un album de duo et tout le monde y va par SMS. Alors il faut dire oui ou non. Alors il fait un projet d'album de duo, c'est en place. J'ai reçu la maquette de la chanson, je dois chanter avec lui. Donc voilà, donc c'est en route. Après, ça se trouve, ça ne verra jamais le jour. Oui. T'es prêt? Ouais. Allez, on y va. Tony Parker. Vaut mieux pas. Dieudonné. Non. Jean-Michel Jarre. Ah, il y a des vannes alors. Christophe. Florent Pagny. Non. Non. Plus vieux. Francis Lalanne. Non. Génération Michel Delpech. Beaucoup de Jean-Jacques Goldman. Anne Roumanoff, on nous dit. Maxime Le Forestier. Non.
Ah putain, oui, putain, on l'a pas dit lui. Pas bête, mais non. Usher, on nous dit, non, c'est pas là. Non. Dev. Non. Christophe Maé. Non. Frédéric non. François. Non. Calogero. Non. Pierre Perret. Non. Etienne Dao. Mais c'est qui Hugo Frey. Il est mort, je crois, Hugo Frey. Je vais choquer personne. Non, non. Ah non, pardon. Je crois que Nino Ferrer. J'ai chanté en duo avec lui une chanson de Renaud il y a 3 semaines. Nino Ferrer, ouais. Ah, très bien. Pascal non. Obispo. Nino Ferrer s'est suicidé il y a longtemps. Hubert Félix Thiéfaine. Non, non. Ah, oui, Nino Ferrer est mort il y a 15 ans. François Feldman. Non. Brassens. Non. Pardon. Et là, la meuf sort. Lynn Renaud. Non. Johnny c'est Hallyday, pas possible, Mathieu Chédid, Charles Trenet, non. Je vous lis tout ce que j'ai, Serge Gainsbourg, non. Au revoir Delphine, c'est un SMS qui vient d'arriver. Ise, Magali Vahe, Sardou. Non. Barbelivien. Bon, bah, je crois qu'on a fait tout. Hein. Je crois on les a tous fait. Non, pas Barbelivien. Barbelivien, on l'a dit déjà. S'il te plaît. Ah, bah, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, en tout cas, dans un instant, Grégoire, tu seras parti, c'est presque dommage. Bon, ce mec-là a chanté les chansons de Barbelivien et il y en a beaucoup, beaucoup. Donc on va trouver, on va trouver, on va trouver. 612, si vous avez des idées par SMS, même si c'est con, balancez-le nous. Et d'ailleurs, c'est une chanson de Barbelivien que j'ai chanté avec lui. Hey. Daniel Guichard. Non. Tu nous agaces à la fin. Daniel Gilbert. Tu seras parti dans quelques minutes, Grégoire, et c'est dommage. Oui. Puisqu'il y a une demoiselle qui est venue nous voir tout à l'heure qui s'appelle Coco Pacha et qui nous a dit plus il y aura de commentaires sur ma photo sur Facebook, plus j'enlèverai de vêtements. Cette demoiselle est là. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. C'est vrai ça? On va faire ça? On va mettre une photo de vous tout à l'heure sur Facebook et plus il y a de commentaires, plus vous enlèverez? Oui. Ça va être très dur comme mais jeu. Mais ça va aller vite surtout. C'est vrai, ça va aller très dur. Mais j'aime bien vous ce pas tellement de vêtements. Bah d'un autre côté, si elle vient avec un truc du combinaison de ski, ça va être long plus aussi. C'est drôle, vous êtes presque. Ah, si, si, non, 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 il y a beaucoup de choses. Vous avez quand même un petit slip. Oui. Ah bah oui. On finit par un petit slip. Un petit slip quoi. Bien, quoique, ça dépendra du nombre de connexions. Tout le monde sur Facebook, on en parlera dans un instant. Ne bouge surtout pas mademoiselle, reste à côté de moi Coco Pacha. C'est joli comme prénom Coco Pacha. C'est hein un style. C'est mignon, ça fait ou vendeur de glace ou... Ou porte-fils. Voilà. Julien Clerc. Tous Michel Julien. Attention, pendant qu'on continue Grégoire, il y a quand même une mauvaise nouvelle dans tout ça. Tout va bien pour les concerts de Grégoire, mais... Je dis mais... Ah. M. Pokora a eu ton énergie musicale. Et ça, c'est le point noir. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait Christophe Maé avec moi. Moi, je pensais... Ah, ouais, vois, mais bon, excuse-moi. Non, mais c'est ni Maé, ni toi. Alors, en revanche, j'ai un truc à dire. J'ai deux témoins dans cette pièce. C'est que j'ai annoncé au milieu de la semaine, le mercredi, j'ai annoncé tous les vainqueurs des Energy Music Awards. Et j'avais Matt Pokora dans la chanson d'année et dans l'artiste. Tu es voyant également? J'avais Jennifer face à Mylène Farmer, j'avais Usher, j'avais tout le monde. T'avais tout le monde. Ah, ouais. Wow. Eh bien, voici le grand blind test, Grégoire. Prépare-toi. Ah, tu vas entendre des chansons. Si tu reconnais M. Pokora, tu devras répondre par « C'est ce salaud de M. Pokora ». J'adore, Matt. Mais c'est le jeu. Oui, mais c'est le jeu. Ça, je aussi, on l'aime beaucoup. Ah, mais attends, il vient de voir bientôt, il y aura un jeu où il devra répondre un truc sur toi. Donc, ok. Si parfait. Tu le reconnais, c'est ce salaud d'M. Pokora. Si c'est pas lui, tu dis « C'est pas ce salaud d'M. Pokora ». Je n'en connais qu'une. Attention, on y va. Alors attends, parce qu'il a fait un album en anglais. Allez, vite, il faut aller vite. J'ai reconnu. Non. Alors donc, non, c'est pas, non, c'est pas ce salon de ma pocan. Eh bah c'est... J'entendais... Ah mais ouais. Parce que je te réponds pendant qu'il y a la voix, je me dis bah si c'est lui en plus. Deuxième chanson. Je suis nul. Alors je peux l'attendre, je peux avoir une chanson. Non, faut y aller maintenant. Non, c'est pas salon de ma pocan. Normal, c'est pas lui. C'est pas lui. C'était bien de la merde. C'est qui d'ailleurs? Oh, Mehdi Koustos. Oh là là. C'était pas de la merde, tout est... Oh, ça gêne pas. Hein. Ça va, c'était bien de 15 jours. C'est pas parce que t'aimes pas que c'est... Non, c'est vrai. Alors là, facile. Oui, c'est salon de la foco. Bien, excellent. Très bien. Oh, tu vas, on continue. C'est quoi ça déjà? C'est la chanson Mirage. De l'année. C'est la chanson de l'année. Non, la chanson de l'année, non. C'est... Ah non, c'est juste une photo de toi. Ouais. Juste une photo de toi. Bah, c'est la nouvelle. Tu fais ton jaloux, là. J'adore. Je les ai écoutés en avant-première, mais ces chansons, je les connais tout le temps. N'empêche, pendant 3 secondes, t'as fait ton jaloux. Allez. Oh, ah ouais. Alors c'est ce salaud. Oh non, c'est pas ce salaud de notre Pokora. C'est Camaro. Yes. C'est Camaro. C'est Camaro, ça. Oui, c'est pas le plus connu, hein. Autre chose. Alors oui, c'est ce salaud de notre Pokora. Oui. C'est pas le plus connu, hein, non plus. Ouais, mais c'est un pro. Allez, un dernier. Alors. Ah ouais. Non, c'est pas celle de mon photo. Non, c'est fait. Les filles oublient leur complexe. Façon sexe. Avec le sexe sur la langue. Oh ouais.
foutent des decks. FN oublie leur complexe. Façon sexe. Oh ouais. Ah ils sont Oh le sus sur la langue il est c'était tellement un bon, dernier, dernier. Alors le dernier, le dernier, le dernier. Oui c'est ça le mec encore. Et non, Tony Parker. C'est lui qui m'a Je ne vis jamais à Jen. Allez un dernier, on va finir un dernier. Ah bah là oui. Bon, t'as pas à répondre, t'emmerdes pas. Avant de Grégoire était avec nous ce soir et avant de partir, on a reçu plein de mails de Bretagne. Puisque, ah oui, puisque tu as fait ta chanson, on a tous le même soleil. La Bretagne nous a envoyé ce texte et ils voudraient que tu le lises parce que demain il y a une émission spéciale Bretagne. Ils aimeraient que tu chantes ta chanson mais avec ce texte-là, c'est très important. Pensons à tous ceux qui nous écoutent, je fais une bise à Brest. Concarneau, oui, Quimper, Saint-Brieuc, Lambert, Vannes, l'endroit grec, voilà, Trégastel, Toulmène. Attention, en hommage à la Bretagne. Avec ou sans musique? Ah, oh, sans musique, sans musique. Non, sans musique. Acapulco. En hommage à la Bretagne, la version spéciale Bretagne, mais qui marche aussi en Picardie. Oui, ça marche. Spéciale Bretagne et spéciale tout le Nord. J'ai la main sur le cœur. De Grégoire. Et on a tous les mêmes nuages, les mêmes averses, les mêmes orages. Et on a tous une main mouillée, comme tout ce qui dépasse du ciré. Grégoire est avec nous, merci camarade, ne le ratez pas en tournée dans toute la France. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas fini, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un indice. Ah oui, mais non, faut qu'il nous le dise. Le salaud, il continue. Si j'étais président... Le Normand. Je chanterai pas celle-là, mais une autre, mais voilà. Moi, le gentil dauphin. Les marqueurs. Ah oui, oui. Voici les clés. Le cas où tu changerais d'avis. J'ai chanté ça aux enfants. Michel, ainsi près de toi. Oh là là, que des chansons Dieu. Pour toi, plus moi. Grégoire est avec nous ce soir. Tous les soirs, 21h minuit. Coé est sur Énergie. Retrouve l'intégrale de l'émission sur énergie.fr et toutes les vidéos sur coé.fr.